Xavier. Je m'appelle Violaine. Je m'appelle Cyril Rollet. Je m'appelle Isabelle. Je suis Rachel. Je m'appelle Nadia. Je m'appelle Myriam Joly. Ce sont les quenelles de Lyon, qu'on trouve presque exclusivement en France. Mes amis, ma famille. Je pense qu'il me manque le plus, c'est les boulangeries, la baguette et les viennoiseries. Le soleil, la luminosité me manquent parfois. Et les belles montagnes, les belles Alpes suisses me manquent également. Ce qui me manque le plus de la France, c'est sans doute les pâtisseries et les librairies. Et ce qui me manque de la Belgique, c'est certainement les chocolatiers. Ce que je préfère dans mon métier de professeur de français, c'est de participer au rayonnement de la langue française et des cultures francophones. C'est aussi un métier qui m'a permis au fil des années de voyager. J'ai habité dans différents pays, dans différentes villes. J'ai travaillé dans plusieurs alliances françaises et instituts français. C'est un métier qui m'a permis de rencontrer toutes sortes de personnes différentes, de cultures et d'horizons différents. Ce que j'aime beaucoup à l'Alliance, c'est les relations avec les étudiants et aussi organiser les événements. C'est les rencontres formidables que j'ai faites, que ce soit avec les collègues, des gens généralement très intéressants, qui aiment voyager, qui aiment les échanges, qui aiment découvrir des choses, mais aussi les étudiants, des étudiants très divers, avec par exemple des professeurs, des ingénieurs, des écrivains, des journalistes. C'est un métier qui me permet de faire des choses très très variées. Je travaille avec une équipe pédagogique, une équipe enseignante pour mettre en place une offre de cours. Je travaille avec des partenaires culturels pour mettre en place des événements culturels. Je travaille avec une équipe de communication pour promouvoir l'offre de cours et les événements culturels. Je travaille avec le conseil d'administration d'Alliance française pour la gestion générale de l'établissement. C'est aussi un métier qui m'a permis de rencontrer, qui me permet toujours de rencontrer des personnes de tous horizons.